Bonsoir commandant. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? C'est une soirée superbe, d'autant que, comme j'aime beaucoup Jean-Pierre, le voir un peu comme le phénix, nous ressortir encore quelque chose parce qu'il a tellement de talent et sortir ce DVD exceptionnel avec des musiciens exceptionnels qui l'accompagnaient mais qui l'a su animer, c'est un grand moment. Et le vivre, c'est aussi être à côté de lui pour le vivre, c'est aussi un grand moment. Surtout particulièrement vu la conjoncture du marché du disque qui est quand même assez difficile, hein. C'est un espoir on pourrait dire. Oui, je pense qu'il y a des gens qui tout d'un coup, grâce à leur talent, vont au-delà de toute prévision. Et ça prouve également qu'on aime bien posséder quelque chose qui n'est pas simplement immatériel comme on l'a sur un téléphone portable et autres, et qu'on aime bien avoir la petite boîte avec le machin rond qui est dedans, qui vous donne l'impression d'avoir auprès de vous en permanence ce moment intense qu'apporte la musique, que seule la musique apporte. Il y a un côté un peu nostalgie aussi, on parle beaucoup de nostalgie, les gens disent que c'était mieux avant, on dit souvent, alors c'est un peu vrai ou pas ? Non, je pense que chaque époque apporte quelque chose. Je ne voudrais pas plagier Coluche qui dit « avant c'était naze », mais je pense que avant c'était comme c'était avant, ça nous convenait parfaitement, et ça convient parfaitement à notre époque. Et qu'il y ait de la nostalgie permet également aux gens d'avoir des références et nous amener petit à petit à avancer en disant « ben voilà », parce que vivre c'est aussi se souvenir de ses racines, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors vous êtes un fan de guitare, vraiment un collectionneur on peut dire. Hein. Donc là on vient de faire une dédicace sur une guitare, ça doit être un moment aussi d'émotion. Les deux ils ont plus de guitare que moi, ça m'énerve. Oui parce qu'une guitare c'est un superbe objet pour un guitariste. Et avoir une guitare de quelqu'un que vous admirez, ce qui est, je pense, le cas de Dan, c'est-à-dire Jean-Pierre, qui est sûrement le plus grand guitariste que nous ayons actuellement en France, tout guitariste confondu, parce qu'il a une telle palette dans son jeu, il peut tout jouer, que avoir sur sa guitare une dédicace de quelqu'un que vous admirez, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le rêve alors. Absolument. Vous allez dans les concerts, vous êtes très fan de tout ça, non ? Oui, et puis je suis assez éclectique, hein, comme beaucoup de gens qui aiment la musique. Je m'attache pas, je peux très bien m'intéresser à Stromae, comme c'était récemment, ou à d'autres guitaristes plus anciens, comme Roger Hodgson, par exemple, parce que la grande époque nous ramène, on revient toujours aux grandes époques, ou ce qui a bercé mon enfance et qui a fait que je suis guitariste, les Shadows, avec Hank Marvin, mais Clapton, ou les Stones, etc. C'est-à-dire tout ce qui fait que la vie sans la musique, c'est comme si la vie était sans art, ça n'existerait pas, elle n'aurait aucun intérêt. Enfin, on voit que le groupe ex-téléphone qui se reconstitue, tout ça, ça veut dire quand même que les gens sont dans l'attente de tout ça, de dire on a besoin de toute cette musique qui nous a bercé un peu. Oui, parce que nous avons, dans notre inconscient, il y a toute cette musique qui a fait notre jeunesse. Moi, j'ai pris une guitare, Jean-Pierre a pris une guitare parce que vous avez vu quelqu'un qui vous a amené, mais même sans prendre une guitare, vous avez des airs qui sont intemporels. C'est pour ça que le film Star des années 80 a fait un tel tabac, c'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, ont revécu une période de leur vie qui compte. Et le meilleur moyen de la faire revivre, c'est la musique. La musique vous transporte sur des moments particuliers, des moments que vous avez partagés, des moments où vous avez aimé, des moments où vous avez été malheureux. C'est ça la musique. La musique, c'est l'âme. Dans votre vie professionnelle, justement, ça vous a aidé un petit peu, face des fois à des moments difficiles, d'avoir un peu de musique qui vous remontait un petit peu, je dirais ? Oui, énormément, parce que d'abord, j'avais toujours une guitare dans la voiture, au GIGN, les gars mettaient toujours ma guitare, on chantait ensemble, du Hugo Frey, qui était le chanteur que nous aimions beaucoup, qui permettait surtout d'avoir des chansons que nous pouvions tous connaître et répéter ensemble, mais également... J'avais sur mon lecteur de cassettes, comme nous avions à l'époque. Je pouvais avoir les Stones ou Yellow, toute la musique d'une époque qui correspondait à une époque et qui, après que vous ayez vécu un moment douloureux, parce que les interventions, c'est toujours difficile, que vous avez la chance
de tous vous retrouver après l'intervention, que vous avez pu la faire proprement, sans qu'il y ait de sang qui ait coulé, eh bien la musique à ce moment-là vous transporte encore un peu plus loin. Plus le plaisir que j'ai moi aussi, parce que j'aime aussi le classique, donc ça va de Bach en passant par Mozart, en passant par... Et ce qui fait que quand j'entends par exemple la guitare de Jean-Pierre derrière nous, eh bien cette guitare, elle nous fait chanter et nous vibre et nous amène ailleurs. Merci commandant. Je vous en prie. Merci. Allez, bonne soirée.